Quand j'ai lu le titre du projet qui s'appelle Le Cercle Immense, je me suis dit, ça, c'est un projet génial, quoi. Pour ce qui concerne Claude Nicolas Ledoux, c'était peut-être pas simplement un rêve, mais plus un projet. Le mot transition ne convient plus, on passe à l'action. On travaille sur le deuxième demi-cercle qui s'affiche là derrière moi, donc sur le cercle immense, ce chantier qui prend forme sous nos yeux. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir Gilles Clément. Une vidéo et un dossier écrit face au jury de spécialistes, les élèves paysagistes ont imaginé des jardins qui soient à la fois inventifs et respectueux de l'environnement, avec tellement d'inspiration qu'au lieu de 9 jardins éphémères, 11 ont été retenus. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont encore plus sensibles au discours de Gilles Clément que peut-être que nous on l'était, parce qu'à l'époque on était peut-être plus attirés par les grands concepts, les grandes lignes, la maîtrise de tout, et là il y a un vrai renversement. Sur le chantier, la nouvelle vision des jardins s'applique déjà. Ainsi, pour créer le nouvel espace, on a remodelé le terrain en gardant la terre d'origine. C'est vrai que c'est un parti pris de départ de ne pas vouloir évacuer la terre et pas en ramener. Et la terre a cette capacité. En fait, il y a une banque de graines dans la terre. Donc dans la prairie fleurie, ce qu'on appelle la prairie fleurie, il y a une grande partie des pelouses qui vont se ressemer naturellement par cette banque de graines. Et donc le dessin très géométrique, en fait, je l'assume parce que c'est l'histoire du site. Et après, moi, ce que je trouve beau, c'est cette confrontation entre un projet imaginé par Ledoux et le vivant qui va venir jouer dans ces grands jardins. Et donc, c'est vrai que j'assume aussi le côté très dessiné du projet, mais en laissant une grande liberté au végétal. On est peut-être dans un espace contraint, parce qu'on est dans un cercle immense, complet. On pourrait dire, ça, c'est une limite. Mais le vent ne connaît pas cette limite-là. Mais les insectes non plus, les oiseaux non plus, les graines des plantes non plus, et ainsi de suite. Donc on peut dire que d'accord, il y a ce dessin qu'on verra toujours, celui de Claude-Nicolas Ledoux, d'accord, mais quelque chose d'autre qui est très très important aujourd'hui se passe et refait un dessin qui est mobile, qui est changeant, qui est de type organique, et avec des jardiniers qui ont compris l'importance de maintenir cette diversité. Bonjour Gilles. Loin, très loin d'Arc-Essenant cette fois, le directeur de la Saline est venu rendre visite à Gilles Clément et il est tout de suite immergé dans la vie de la vallée. La chenille vedette du jardin est en plein repas. Elle est là, elle est en train de se montrer comme une star. Elle est donc là. Ah ouais, elle est là. Et les chenilles qui ont cette marque-là sont repérées par les oiseaux comme poison. D'accord. Donc elle ne les mange pas. Elle ne les mange pas. D'accord. Mais je découvre votre refuge. Oui, refuge, c'est un peu, hein, c'est le mot qui convient. C'est le mot qui convient. La vallée est pluvieuse et froide ce matin-là, mais les échanges entre les deux hommes pointent les connexions entre l'architecte visionnaire et le jardinier philosophe. Moi, je suis rentré dans le monde du jardin par les insectes. Ça fait penser à une phrase de Ledoux. Ah oui. C'est un monde isolé du monde, c'est un peuple qui se développe et qui fait germer tous les germes de la terre, semblable à l'abeille qui collige de fleur en fleur. Pas mal. Hein, c'est pas mal, on pourrait la mettre. Pas mal.